Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous montrer quelques créations que j'ai faites sur le thème de Noël. J'ai réalisé une kiss façon moonboard, des tamponnages et que j'ai découpé. Donc le Père Noël avec ses petits cadeaux, le sapin, la couronne. J'ai rajouté par-dessus la page de calendrier. Ici, trois petites décorations, le sucre d'orge, une cloche avec des grelots, des biscuits en forme de sapin et d'étoiles, et un petit ange. J'ai découpé toutes les petites cases dans un papier fantaisie. Une deuxième kiss, dans le même procédé. Bon, je vous avais parlé tout à l'heure, mais c'était le fond a été réalisé avec du Magic Paint. Ici également avec un peu plus d'eau. Toujours le même principe, tamponnage découpé et collé par-ci par-là. J'ai rajouté quelques strass et le découpage des cases avec un papier fantaisie un peu brillant et embossé. Ensuite, avec le tamponnage d'oiseaux qu'on pouvait trouver chez Nose, le Studio Light. Donc, j'ai colorisé l'oiseau avec une encre à effet nacré. J'ai rajouté un petit peu de fausse neige sur le texte également. Encore un tampon que j'ai découpé. J'ai réalisé un cadre en forme de timbre sur un autre papier fantaisie. J'ai repris l'oiseau que j'ai colorisé avec des paillettes ici, le petit foulard, la couronne. Je vais glisser un tag dans son bec avec un petit nœud avec une ficelle couleur or, une daille fantaisie dans du papier sur lequel j'avais collé du folio. Derrière, c'est un papier noir sur lequel j'ai utilisé un pochoir avec de l'encre blanche, des petits strass, enfin des gros strass, sur une base blanche. Pour celle-ci, je l'ai réalisée avec des plis, une espèce de pop-up, des die-cuts de chez Action sur les livres de luxe paperblock. Donc j'ai collé, superposé un petit paquet, un biscuit, une pile de cadeaux, une étiquette de Winter. Ici, c'est une pomme de pin, une bougie, les moufles, la petite bannière, le cercle. Ici, c'était un cercle que j'ai coupé pour pouvoir le mettre sur ma base carrée. Ici, c'est un petit sapin que j'ai réalisé à main levée. J'y ai mis des petites gouttes de Dream Drop, Drops de nouveau, des produits nouveaux. Blanc nacré et or. Bon, il y en a plus ou moins de réussies. Hein. Certaines, elles se sont raplaties complètement. Et j'ai mis un petit liseré en guise de guirlande avec de la paillette. Encore une carte avec système de pliage qu'on peut poser sur la table, comme la précédente. Donc, on trouve ici une espèce de carte toute faite du Père Noël. Bonne année, meilleurs vœux. J'ai rajouté une étoile filante, une petite boule, trois petites boules ici en guirlande. Le sapin, je l'ai reconstitué avec différents papiers. Des petites enveloppes.
une petite botte, une fleur en ruban. Derrière, on trouve un cerf. Ici, un deuxième cerf ou un renne. Et une étiquette Joyeux Noël. Des flocons. Et ma dernière création, c'est un petit tag. Ici, j'ai reconstitué un sapin avec ma perforatrice sapin. J'en ai collé quatre. C'est des sapins que j'ai pliés en deux pour pouvoir faire en relief 3D. J'ai collé des flocons en plastique. Ici, c'est quelques créations à main levée. Deux pommes de pin. J'ai perforé et derrière j'irai mettre mon petit mot. Voilà quelques petites créations. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye!